Yo les gars, vous allez bien? Bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui sur Red Dead Online. Regardez, avant que la vidéo commence, j'ai changé le style complet de mon personnage. Vous avez été nombreux à me dire que l'ancien manteau que j'avais dans la dernière vidéo que j'ai pu faire sur Red Dead Online vous avait beaucoup plu. Il s'agit d'un manteau du rôle de naturaliste, hein, tout simplement, que vous pourrez retrouver très facilement dans le catalogue et surtout dans les éléments débloquables du rôle de naturaliste. Donc là, j'ai opté pour une nouvelle tenue que j'aime beaucoup. Je trouve très stylée, moi, avec cette cartouchière comme ça, ces doubles cartouchières là. Les petites jambières, les bottes et tout, je la trouve franchement super classe. Je trouve que le personnage, il a un flow de militaire assez incroyable. On est parti, on va donc essayer, enfin j'espère si elle est disponible. On va donc chasser l'orignal à bois rouge, rougeâtre légendaire. Donc ok. Ah, on a l'alligator à bande légendaire, hein. Castor Ténébreux Wapiti. Est-ce que je ferais... Ouais, je vais faire l'alligator. Allez, on va faire un petit animal légendaire aujourd'hui et on va se faire l'alligator. Apparently, the new accessory du jour for the lady this year is the alligator handbag. Murdering these noble prehistoric creatures for fashion? Would they wear one made of human skin? I highly doubt it. Ugh. Anyway, there have been some sightings of a spectacular crocodilian near an estate in Saint Denis. A banded gator, beautiful red and white markings by all accounts. If you could source me a sample, I'd very much like to study it before some brute turns it into a wallet or a pair of slippers. Avant qu'une brute épaisse n'en fasse un portefeuille ou des chaussures, tu m'étonnes. On a été téléporté directement sur l'endroit où était vu dernièrement l'animal, donc on va y aller. Ok, il va y avoir encore une nouvelle fois une tonne d'éléments à vérifier et donc d'éléments à observer, à étudier avant justement de pouvoir passer à l'animal en question. Ok. Waouh, il est beau. Ouais, il est beau, il a une très très belle couleur en plus. Chercher des traces, il y en a là-bas. Par contre, il y a plein d'alligators autour, donc il va falloir que je fasse très attention. Oh, oh. Il y a un truc là, ouais, il y a un truc déjà là. Ça, c'est des œufs. Là-bas, il y a aussi quelque chose. Je sais pas trop ce que c'est. Bah, c'est le cadavre de la petite biche là qui... Ah ouais. Ah, le v'là. Le v'là, le beau. Allez, allez. C'est bon, dodo, 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 dodo. Maintenant, boule. Allez, vas-y, allez. Endors-toi, frérot. Il est là, il est là. Attendez, faut qu'on le ramène sur le bord. Voir à quoi il ressemble. Ah ouais, il est beau. Il est beau de ouf, ce gros lézard. Mais non, on repart pas dans l'eau. Voilà, ah ouais. Regardez-moi la belle bête. C'est un Lacoste celui-là, non? TN Lacoste, rien. Non, il est stylé, il est très beau. Très 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 beau. Waouh. Il est de taille moyenne. Vraiment exactement la même taille que les autres. Pas plus grand, pas plus petit, je pense pas. Juste sa couleur qui change. Bon, on va, par contre, on va prélever l'échantillon. Parce que sinon, le pépère va se réveiller. Et voilà. Et voilà, échantillon d'animaux prélevé en 10 minutes, 1 sur 5. Ah ouais, d'accord, donc en gros, là, faudrait vraiment que je carbure pour faire un défi à la con. Faut encore que je trouve 4 animaux. Ouais, ouais, ouais. Bon, où est-ce qu'est Madame Harriet déjà? J'ai plus trop de balles narcotiques pour endormir les animaux. On va retourner voir Madame Harriet pour y revendre justement l'échantillon et voir combien ça nous a rapporté. On est donc chez Madame Harriet, on va voir combien on va nous rapporter l'échantillon de l'alligator rougeâtre légendaire. J'aurais beaucoup aimé de base dans cette vidéo, je vous le cache pas. Attends, on va voir ce qu'il y a comme mission. Normalement, je peux pas les relancer aussi rapidement. Ah ouais, on a l'orignal. Hein. Mais on s'en fout l'alligator, je veux voir l'orignal moi. Orignal, on a le wapiti machin, le castor ténébreux, ça je l'ai fait des fois et des fois.
Ah ouais, l'orignal à bois rougeâtre légendaire. On fera ça dans une prochaine vidéo, les amis. Je vais essayer de vous faire de temps en temps des épisodes comme j'ai pu faire aujourd'hui. Vous chasser les animaux légendaires, surtout les plus intéressants, tu vois. Les plus gros, les plus fat. Les petites biches légendaires, les petits cerfs, ça m'intéresse pas trop. Je préfère faire les animaux vraiment assez féroces et agressifs. Comme c'est le cas justement pour l'alligator à bande légendaire. Surtout pour voir les petites cinématiques que Rockstar a mis en place où on peut voir justement des attaques et que les animaux sont toujours mis en avant d'une manière. Représentatif un peu à leur agressivité, tu vois ce que je veux dire? Pour ce qui est de l'ours doré également, j'ai voulu le faire en vidéo. Là, on a fait aujourd'hui l'alligator rougeâtre. J'ai essayé de vous faire dans les jours à venir un petit épisode comme ça sur l'alligator, enfin l'ours, pardon, doré. C'était Vince. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo à 13h30 sur la chaîne. C'était Vince. Prenez soin de vous. Allez, pistez les gens.